Eh bien, salut à tous, chers amis, c'est Dean Oliveira, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de FIFA 21, la carrière RP avec le LOSC. C'est l'épisode 51, et je crois le dernier épisode de cette saison 4. On va voir hein, si c'est le dernier épisode de la saison 4, parce que, en soi, on a 3 matchs à jouer. Donc on a l'OGC Nice qu'on doit faire en match simulé, enfin simulation interactive, Bordeaux je ne sais plus, et on a la finale de Coupe Nationale contre l'AS Saint-Etienne. Donc ensuite ce sera des matchs internationaux, mais bon ça, à la limite, je vais faire un épisode, comment dire, à part quoi, enfin ce sera certainement durant la saison 5. Je vais mettre ça durant la saison 5 et je ferai un épisode spécial là-dessus. Mais en soi, là, on est bien parti pour rester premier. Faut juste qu'on fasse pas de conneries et qu'on gagne ou qu'on fasse au moins match nul sur un des deux matchs. C'est tout. On doit juste faire ça. Au moins un match nul ou gagner, c'est encore mieux. Un match. Sur les deux. Je pense que ça devrait le faire. Alors, Timothy Weah qui disait qu'il était en forme, qu'il voudrait bien jouer. De toute façon, on a Sorloth qui s'est pris un rouge la dernière fois. Du coup, il va jouer. Le petit Timothy Weah. Alors, remplacer automatiquement le joueur indisponible. On remplace par Timothy Weah qui est maintenant à 81 de général. 90 pour David. Pété. Follet qui a 76 de gêne. Ensuite. Ouais, putain, eh, ça a bien augmenté quand même. Hein. Richie, il a bien augmenté également. Non, franchement, plutôt satisfait de cette équipe-là. Ça a bien augmenté partout. Bon, après, évidemment, il y a des gens qui augmentent plus que d'autres, bien sûr, mais. Ça, c'est un détail. Alors, tac, on va mettre Ray-Ban sur le terrain, enfin, sur le banc. Parce que il faut le faire augmenter, le petit Ray-Ban. Hein. C'est un des jeunes joueurs qui va avoir un gros potentiel de ouf et qui va devenir un monstre en défenseur central, tu sais. Donc, il faut le faire jouer. Donc, c'est parti pour la simulation interactive. Oh salut, c'est Germain Toussaint. Bon, je profite de ma pause donate là pour te dire que si t'aimes la vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne. Voilà, abonne-toi à mon poulain. Et puis, si t'aimes vraiment la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire. Voilà. Allez, bonne vidéo mon petit pote. Merci Germain Toussaint d'être intervenu dans la vidéo. Alors qu'on va affronter l'OGC Nice. Bon, pour l'instant, on laisse pisser, donc on est en rouge. C'est parti pour la les rouges contre les bleus. Les Lillois qui engagent. Donc, pour l'instant, on a bien la balle. Passe manqué, qui sort en touche. Et Lucas Paqueta qui a tenté de faire un truc, mais Lucas Paqueta. Ce n'est pas passé. Et là, ça part en compte du côté de leur côté là, du côté OGC Nice, mais ils n'ont pas concrétisé. C'est manqué, cette tête qui ne donnera rien finalement. Bah ouais, le timing est pas bon et du coup ça et passe. S'il te plaît, fais quelque chose. Oh, c'était pas mal ça, c'était une belle combinaison. Oh, le plongeon, oh, il a pas hésité à y aller. Il y a des belles combinaisons quand même, mais malheureusement ouais, ça se concrétise pas pour l'instant. C'est manqué, cette tête passe loin du cadre. Ouais, sachant que de toute façon, hein, présent, comme j'ai dit, il faut au moins un match nul pour assurer d'être premier. Encore donc, quelques minutes de toute à façon, dans cette rencontre avant que l'arbitre ne siffle. Qu'on gagne ou pas, peu importe. Ouais, bien joué par-dessus. Après, faut pas qu'on le perde non plus, quoi. Si on perd les deux matchs et qu'on se retrouve deuxième à la fin, là, il y aurait du seum, là. Là, il y aurait du seum. Bien joué, ça. Les passes, le décalage qui va sans doute venir. Ouais, le ballon touché hein, par le défenseur avant de sortir, ce sera donc voilà, l'OGC Nice est plus offensif déjà. Danilo, Thiago Mendes. Ouais, bien joué. Bien joué, but pour l'OGC Nice. Peut peut-être se jouer là. Et le but. Le premier je vais pas encore intervenir pour l'instant. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Il
C'est pas ouf comme, comme intervention, ça. Lucas Paqueta. Suarez. Ok, là, je vais peut-être pouvoir intervenir. On a cet adversaire qui récupère cette passe. Faut voir si ça... Non. Ça n'arrive pas sur dans mes pieds, malheureusement. Hop là. Holgate qui récupère. Danilo. Timothy Weah. En profondeur pour Jonathan David. Et Jonathan Timothée. David qui attend l'appel de Timothy Weah et le but. Le but de Timothy Weah. 42e minute qui revient à égalité dans ce match. Un partout à la 42e minute. Et on repart en simulation interactive, bien sûr. En profondeur, la défense qui est en retard. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Ok. Ah, c'est une colis. Pour l'instant, ça se passe pas mal. Ça pourrait se passer mieux, mais c'est un bon début, on va dire. Certainement, je vais remplacer... Paqueta par Ounas. Pour ouvrir cette seconde période. Il est déjà un petit peu crevé. Comparé à Follet, tu vois. Ok, Thiago ça c'est pas Mendes. Mal. Ouais, tout compris là, le défenseur, bien c'est vu. Pas mal, c'est pas mal. Follet qui part en attaque. Allez, dans le couloir. Ouais, il a le temps de centrer. Dommage. Il n'a pas réussi à crocheter. Il poursuit son action. Ouais, bien joué le défenseur. Pas besoin de m'arrêter celle-là. Ouais, peut-être l'occasion de placer alors, une contre-attaque. Remplaçons Lucas Paqueta par Ounas. Ça sort en touche, hein. Le ballon va changer de camp. L'entraîneur a décidé de faire un changement. Ok. Lucas Paqueta. Hop. T'inquiète pas, il n'y aura pas d'erreur. Attention à ne pas commettre d'erreur. Ouh, c'est beau ça. On va construire en passant c'est beau sur ça. Les côtés. Oh, je la voyais dedans. Je la voyais dedans. Oh, il la manque. Oh, mais c'est pas croyable. Tout le stade la voyait au fond. Incroyable. Mais attends, il est pas passé loin. Hein. Attention à ne pas avoir de regrets à la fin. Eh, hey, pourtant, je me suis appliqué. Hein. Ouais, ouais. Alors là, il y a deux possibilités, soit j'ai juste pas eu de bol, soit c'est du script IA qui a pas voulu que je marque. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Hop là. Follet, Follet, Follet. Faut que j'arrête de faire de la merde. J'essaie de crocheter depuis tout à l'heure, mais j'y arrive pas. On va mettre Lednev à la place de Richie. Et on va retourner en simulation interactive. Ah, c'est très bien défendu. Et ce tacle qui donne un petit peu de répit à la défense. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Danilo. Pas mal ça. Ah, par contre, il faut aller un peu pris. Hein. T'arrêtes de dire ce que je dis. Un petit peu pris là quand même. Ça passe pas. Une phase de possession en attendant la faille. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Putain, Colis là, il commence il à me. Hein, il y a danger. Eh non, dommage, ça va s'arrêter là. Ah putain, le défenseur se fait. Je l'avais quasi récupéré. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Oh. Ah, c'est bien défendu. Nique-toi. Baptiste Santamaria. Ah, ça passe. Il récupère le ballon. Ça passe. Ounas. Putain, ils sont tous en défense. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse quand ils sont tous en défense? Allez, Okosun. Tu vas rentrer sur le terrain.
T'es malade. Tu changes Kelvin Aviat pour Okusud. Il a 10 points de général à moi. Il devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Oh oui, encore une bonne passe. Le jeu m'a clairement fait comprendre que tu y arrives mieux avec des petits joueurs qu'avec des gros. Très bien joué ce contre. Ça a été trop lent et l'adversaire a le ballon désormais. Ouais, le match qui va basculer d'un côté ou de l'autre, que de tension. Allez, deux changements d'un coup. En cette fin de match avec ce corner qui va être tiré. L'entraîneur qui a fait ouais, signe. Maignan, il l'a récupéré. Tranquille. Ouais, c'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Ouais, belle sortie. Allez, Ounas. Un partout. On devrait en rester oh, là. Oh, c'est beau ça. Le temps qui reste à jouer. Tiens, Pierre, la suite du programme. Putain, Okusud, qu'est-ce que t'as branlé? Qu'est-ce que t'as branlé, Okusud? Ils sont complètement perdants. De son oh duel putain! Face au gardien. Je sais pas ce qui lui est passé. Ah, il était tout seul! Il était tout seul, Okusud! Il était tout seul! Ah, ça, c'est pas cool! Il y avait mieux à faire! Bonne passe. Il y avait clairement mieux à toujours faire! Match nul, les Aiglons qui ont le ballon. Pas besoin de l'arrêter, la différence. Ça. Il reste maintenant 2 minutes à jouer, hors temps additionnel, bien sûr. Bon. Il y aura 2 minutes. J'ai 2 minutes complètement de temps foiré. Additionnel. 2 minutes. Intervention décisive du défenseur. Bon, et eh ben 1-1. Le score de Paris. Voilà, c'est terminé. Ce match qui s'achève. Tout reste ouvert en ce qui concerne le titre. Bien sûr, il y a un petit peu de déception chez les joueurs et les supporters parce que. Comment ça il va falloir attendre. Non, je suis désolé. Ouais, c'est chouette le suspense. Je suis désolé, va pas falloir attendre. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Il me manquait juste un point pour être à l'abri. Ouais, lumineux, cette passe. Attends. On va regarder. On va regarder, hein. Si ça se trouve, j'ai mal compté. Alors, bravo à vous, vous êtes champion. Est-ce une satisfaction d'avoir été sacré? Bah oui, c'est ce que je me disais. On est bien champion avant la fin de la saison. C'est un grand pas en avant pour le club. Et surtout pour moi, parce que c'est mon premier titre. Vous êtes invaincu dans cette compétition. Pensez-vous pouvoir poursuivre cette belle série? On n'est pas obsédé par ça, mon gars. Après l'égalisation en première période, espériez-vous décrocher la victoire? Au final, le résultat est satisfaisant. Je trouve que le nul reflète la physionomie du match. Ce sera tout pour moi. Merci. Alors, merci, j'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté et que vous m'ayez donné du temps de jeu tant que je suis en forme. Continue comme ça, gamin. Il y a l'Ennef qui parle aussi. Je suis très sensible au fait que vous m'ayez laissé une chance dans l'équipe. J'espère pouvoir honorer votre confiance. Tu joues bien, mais te laisse pas griser. Tu dois continuer à travailler pour gagner ta place. Suspension purgée. Date limite de soumission, c'est le 23 mai. De toute façon, c'est les championnats d'Europe. Ouais. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen de mettre Okusud dedans. Et de le faire augmenter un petit peu, tu sais. Le gars qui cherche toutes les failles pour essayer d'augmenter ses joueurs. Donc oui, je... Ouais. Donc au pire, on perd notre match. Ouais, mais attends, il faudrait qu'on perde notre match au moins 4-0 et que eux fassent au moins 3-0 pour que le PSG soit premier, quoi. Alors, je dis pas que ça peut jamais arriver, mais à un moment donné, s'il te plaît, quoi, je vais faire en sorte de pas non plus perdre comme un sac. En plus, je dois le jouer contre Bordeaux, donc... celui qu'il faut... Il faut que je surveille, de toute façon, je sais qui c'est, hein. C'est Rabel. C'est le seul que je dois surveiller, hein. Après, le reste, ça devrait bien se passer, normalement. Alors. Ah bah écoute, on va laisser comme ça, tac. Encore un entraînement, s'il veut bien. C'est mieux si j'appuie sur la touche pour continuer.
gratuit. Autre exercice, parce que ça, on l'a pas fait. Eh ben, on va faire des patates très très chaudes. Et à la place de Santa Maria, je vais plutôt mettre Glick. Vu que ça va être certainement un de ses derniers matchs. Autant... Enfin non, je vais plutôt le mettre dans la coupe nationale, Glick. Quoique, j'ai rien à jouer ici. Enfin, rien, entre guillemets. Ouais, je sais pas. On va voir s'il nous le propose. Il nous le propose pas. Bon, bah écoute, on va le jouer tel quel, dans ce cas-là. Alors, Bordeaux. Votre équipe est en excellente position à une journée de la fin. Un point vous suffit pour décrocher le titre de champion. Pensez-vous avoir vos chances? Notre classement prouve la qualité des joueurs. N'est-ce pas? C'est un vrai clash des titans qui vous attend face à cet adversaire. Qui va remporter ce duel? On a un avantage. Lors de votre dernière confrontation, la rencontre s'était soldée par un 2-2. Un 2-2 complètement scripté, hein, je tiens à le préciser. Il faut se focaliser sur notre défense. La dernière fois, on avait marqué assez facilement. Ce sera tout pour moi, Billy. Et du coup, c'est parti pour le match contre Bordeaux. Et là, ça va faire plaisir. Match contre Bordeaux. On va laisser mettre Randa, bien sûr. Est-ce qu'on laisse Follet? J'aimerais bien mettre Ounas à la place, quand même. On met Ounas à la place. Hop. On met Glick, au cas où. Et ça devrait être bon. Du coup, on joue le match. Et là, dernier match de cette saison, entre guillemets, hein, dernier match, parce que après, on a encore un match à faire contre l'AS Saint-Etienne. Mais bon, c'est la Coupe Nationale. Disons dernier match du championnat. Hein, voilà, au moins c'est plus logique. Bonjour! Tu m'as bouffé tout cru! Réussi! Facile! Réussi! Facile! Raté! Facile! Oh merde, je me suis mal mis! C'est bon! C'est fait! Facile! Mudi! Facile! Magazzi! Raté! Je me suis bouffé le poteau, c'est pas grave. Putain, c'est du débutant. Hein. Bon, allez. C'est peut-être le futur champion hein, qui en termine avec son échauffement. On rappelle que le verdict, ce sera dans 90 minutes. Le futur champion... Les données sont assez claires. Ah ouais. Un match nul suffira à cette futur champion sûr d'être sacré. De Ligue 1. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes particulièrement gâtés par la météo ce soir. Les conditions sont absolument idéales pour les deux équipes. Pierre Ménès, bien sûr, est à mes côtés. Il ne voulait pas. On est où? On est en Bordeaux, j'imagine. Les visiteurs sont en position de force. Ils peuvent être champions. Alors du coup, en fait, je ne sais pas si on termine. 90 minutes pour finir le boulot. Si on termine la saison sur cet épisode-là. Et dans ce cas-là, l'épisode sera quand même un peu plus long parce que. Forcément, on va avoir encore deux matchs à faire. Sur 18 matchs. Donc soit on fait ça, et dans ce cas-là, ça vous fait un épisode d'à peu près une heure, on va dire. Et vu qu'en ce moment, j'ai pas mal de taf, ça pourrait être sympa, parce que dans ce cas-là, je ferai pas d'épisode le mercredi. Bah oui, parce que, en fait... En ce moment, on a pas mal de taf, enfin, c'est-à-dire que j'ai une collègue qui s'est fait agresser à Onin, et du coup, je dois la remplacer, et du coup, bah, j'ai le double taf, on va dire. Donc c'est quand même assez compliqué.
C'est assez compliqué comme, comme truc. Oh putain, Kakas, Thuram. J'avais oublié que j'avais ces deux-là. La composition du LOSC, regardez. En là. Défense aussi, ça va être galère. Mais voilà, ça fait que j'ai double taf. Du coup, je fais des vidéos quand j'ai un petit peu de temps, on va dire. Donc, ouais, ce serait pas mal que cette semaine, je ne fasse que deux vidéos. Mais dans ce cas-là, ce serait des vidéos d'une heure chacun. Donc, en soi, pour vous, ça change pas grand-chose. Parce que, au lieu de faire trois vidéos de 40 minutes, j'en fais deux de 1 heure. Ça me paraît une bonne idée. Je pense que je vais faire ça. Il s'infiltre, attention. Et putain de ta race, toi. Il veut garder son ballon, il le protège. Baumgartel. Il conserve bien son ballon. Oui, il se balade même. Hein. J'ai cru que t'allais le mettre contre ton camp, là. Il va y avoir un corner. Quoi ? Frapper ce corner au niveau du point de pénalty. Quoi ? Oh, c'est un penalty. Script FIFA. Script FIFA. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix. Il est tombé tout seul. Non, mais sérieux, il n'y a rien du tout. Estimé que le penalty suffisait. C'est Rabel qui va tirer. Évidemment, hein. Évidemment, évidemment. Bah, vas-y, je t'attends. Côté droit, côté gauche, côté gauche. Oh, c'était côté droit, il a tenté. Oh, il a tenté. Oh, c'est au-dessus. Oh, c'est au-dessus, il est manqué ce penalty. Qu'est-ce que c'est mal tiré, sérieux. Oh là là. Il l'a quand même tenté, hein. Mais... il a pas assez de talent. Le gars qui dit ça alors que il a 90 plus de général, là, tu sais. Alexander Sorlot. Après, je me souviens que niveau penalty, c'était pas un monstre non plus. Hein. Allez, Kelvin Amian. Attention. On récupère avec Ounas. Amian. Ah, il bascule sur l'aile histoire de tirer un petit peu le bloc défensif. J'étais hors jeu, fais chier. Je le savais, mais j'avais déjà fait la passe. L'arbitre qui signale un hors jeu qui arrête le jeu. Oh. Dommage. Bon, comme il a dit l'autre, il suffit d'un match nul. Hein. On vient de me dire qu'il y a eu un but au Parc des Princes, on y va ? Oui, 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 ils nous mettent la pression. En faveur du Paris Saint-Germain. Premier but du PSG. Ils nous mettent la pression dès le départ. Merci pour ces précieuses informations. Ah putain. Ah, ça sera officiel dans quelques minutes. On peut dire que cette équipe va être sacrée championne à la fin de ce match. Calme-toi. Ouais, ça profite, l'arbitre laisse jouer. Bien arbitré, ça. Et pense à ton jeu. L'adversaire qui hors-jeu. Ce ballon. Nique-toi. Oh, c'est bien. Et hors-jeu, là. Commence à bien faire. Retarder son appel. Après, niveau défense, ils sont pas mal quand même, hein. Avec Tyron Mings, Kakas et Thuram. Il a pas ce qu'il trouve un joueur. Jonathan David qui a pu récupérer. Jonathan David. Le tir de Jonathan David. Et le but. Le but à 0 pour le LOSC. À la 23ème minute. But de Jonathan David. Meilleur buteur de Ligue 1. On met... Ils veulent nous mettre la pression, le PSG. Ah bah t'inquiète pas, on va leur mettre la pression aussi. N'empêche, ce retournement de situation, le PSG qui a fait deux ou trois matchs nuls d'affilée, j'ai pas compris pourquoi. Et du coup, ça nous a permis de prendre la première place. Ça, par contre, c'est quali. C'est quali parce que... après notre, notre match nul contre le PSG... quand on était deuxième, je me suis dit c'est mort, on les rattrapera jamais. Parce que bon, le PSG, je les voyais pas perdre c'est donc l'ouverture du score, des matchs quoi. Bah ils les ont pas perdus, mais ils ont fait match nul. Alors, n'empêche que Bordeaux, j'y arrivais pas avec eux, mais ils sont quand même quatrième de Ligue 1, donc je trouve que j'ai fait un travail intéressant avec eux quand même. Perdu bêtement. Bon, après, ils ont pris un milieu offensif là, Vlap.
que je ne connais pas. Une attaque. En jeu, mais en soi, leur défense, elle tient la route. Attention, parce que je galère à mettre un but. Il faut que je fasse des trucs de ouf, des passes de dingue pour faire quelque chose, tu vois. On joue la 30e minute du temps réglementaire, Hervé. Ok, c'est bien noté, merci beaucoup. Donc un paquet, c'est qui. J'ai raté, dommage. Le fait très bien circuler en tout cas. Ah, le ballon est perdu. Ce sont bien les Girondins qui touchent le plus le ballon. Le problème, c'est que cette équipe ne se crée pas suffisamment d'occasions dangereuses. Bon, il faut jouer plus vite. Non, mais mieux la largeur du à un moment donné, voilà. Tu rames. Et parfois, quand l'adversaire monte au pressing comme ça, hop là. Il faut se donner un petit peu d'air. Mais des rigolettes, si putain, je l'ai fumé l'autre, mais dommage, j'ai pas passé le deuxième. Ouais, ça, c'est bien joué. Oh, il l'a mis dans le vent, là. Ça aurait été beau, hein, que je passe les deux comme ça. Poursuit son action. Non ! Bien joué, Medranda. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Bien joué, Medranda. En plus, tu sauves le corner. Parce qu'en corner, j'ai un peu peur de Rabuel. Je le dis. Baptiste Santa Maria. Allez, Ounas. Amiens. Hop là. On se remet sur notre bon pied. Dommage. Il était où Alexander Sorloth là? Parce que. Il aurait été essentiel là au milieu. Pour ces joueurs, en position de force. Bon. 1-0 à la mi-temps. Là de toute façon, je pense que les changements qu'on fera, c'est du changement défensif. Du genre. Santa Maria, il a pris un point, c'est cool. Du genre justement Santa Maria qu'on pourrait changer par Pizzuto peut-être. Poitiers à la place de Medranda aussi. Et à mon avis, j'enlèverai Baumgartel pour mettre Glick, histoire de. Ou sinon, je mettrai Follet, je verrai bien. Je verrai bien, ça dépend de comment il crevait Ounas ou pas. Mais pour l'instant, ce serait plutôt changement défensif qui serait de rigueur. Gate. Hop. Et Santa Maria. Oh putain. Baptiste Santa Maria. C'est bien, Paqueta qui a récupéré. Pour Richie. David. Sorloth. Qui a vu l'appel de Kelvin Amian. Mais bon, ils sont deux sur lui quand même. On écarte le jeu. Waouh. Là, il n'y a pas de faute. Hein. Tiens, mange. Alexander Sorloth. Oh, très bien. Il n'y a défendu. Pas de faute, hein. Je veux dire, mon joueur de l'autre côté, eux, ils ont dû direct un penalty et tout, rien. Alors qu'il n'y avait rien du tout. Mais là, il y a quelque chose. Que dalle. Tout le monde attend. Nous connaîtrons le vainqueur de la Coupe nationale à l'issue de cette rencontre. Le LOSC affrontera Saint-Étienne. Pourquoi tu l'as fait à lui? L'affiche sera séduisante. L'enjeu. Moi, je voulais la faire à Alexander Sorloth à la base. Perdant, comme on dit toujours. Je sais pas au fait leur gardien si c'est encore qu'hostile. La passe était j'ai appuyé, même pas fait gaffe. Mais le contrôle est bon. Bien joué, Baumgartel. Rodwell. Ah, le pied. Allez, Jonathan David, cours pour ta vie. La dernière demi-heure de cette partie. On s'approche non, du but. Non, c'est Poussin maintenant. La frappe. Je cherche un jaune. Ça aurait pu être son doublé. Jonathan David. Ok, on va mettre Poitiers. On va mettre. Pizzuto. Ouais, Pizzuto. Il a plus de défense. Et on verra un petit peu. On attend un petit peu pour voir si on met Glick ou pas. Corner, j'aimerais bien en remettre un deuxième avant de. Pourquoi pas. De voir si je mets Glick. De mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Oh, dommage. Attention à la frappe. C'est hop. Contré hein, par le défenseur, dommage. On rappelle que cette équipe est virtuellement championne hein, pour le moment. Oui, ça doit peut-être chier. Déjà trotter dans la tête des joueurs. Enfin, il va falloir rester concentré jusqu'au bout. Fais chier. Maxime Pounget. C'est pas grave.
Thuram, c'est vraiment un défenseur que j'aimerais bien récupérer. J'aime bien Baumgartel. Hein, Baumgartel et Holgate, c'est une bonne défense aussi, mais je suis fan de Kefren Thuram. Hein, depuis le FIFA 20, je suis complètement fan. Donc bon. Mais c'est vrai que Baumgartel, il fait vraiment le taf. C'est là où que je dis ça, il va se foirer sur tous ses tacles. Allez, Santa Maria. Putain, j'ai même pas eu le temps de faire la passe, il a poussé trop fort sa balle. Bon. Eh bah écoute. Glick, bonne chance. T'as tête puissante, je crois en toi. Loin de la zone dangereuse. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser. De toute façon, on ne peut pas faire autrement hein, que croire en lui. Oh, j'ai blessé. Ça part dans la boîte. Ah, Zerkan. Ils ont récupéré Zerkan. Sur ce ralenti, on voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien. Attendez, on me dit qu'un penalty a été accordé dans l'une des autres rencontres. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Tout à fait, Hervé, tout à fait. Un penalty pour le Paris Saint-Germain. Neymar ensuite qui fait le job et le transforme sans problème d'un tir décroisé. 3-0. Le score est maintenant de 3. Je l'avais dit que ça pouvait arriver. Après 81 minutes de jeu. Parfait, merci pour ce point rapide. Passe ! Tiens, mange ! Bim ! 2-0 pour nous ! Jonathan David ! Et là, on vient de défoncer leurs derniers espoirs. C'est bon. On est champion de Ligue 1. Et on peut peut-être faire un doublé en gagnant la Coupe Nationale. Mais vous me connaissez, la Coupe Nationale, je vais mettre l'équipe B. Le gars qui a un gros salaud qui met l'équipe B en finale, tu sais. C'est la finale, j'en ai rien à foutre, je mets l'équipe B, lol. Non, je vais quand même laisser une partie de l'équipe A, mais pas tout. Voilà. Certainement, milieu défensif, je mettrai l'équipe B. En défense, je mettrai l'équipe B. Puis je laisserai peut-être l'équipe A, milieu droit, milieu gauche. Et en buteur. Lucas Paqueta, si. Santa Maria, si. Santa Maria. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est contré. Est-ce ce ballon qui traîne ? Et Holgate. Eh ben voilà. Et ça y est, ils sont champions. On est champions. On est champions. Ouais, c'est un petit peu normal, c'est universel, ça, Hervé. Tu sais, je connais pas un joueur qui soit blasé par les trophées. Et en plus, là, c'est ouais. C'est le titre de champion. Encore un gros bug sur la caméra. Ah, ils sont champions, certes, pas chez eux, à l'extérieur. Mais bon, ils vont organiser un petit truc à la maison. Ouais, une petite sauterie dès demain, sûrement. Bah oui. Et voilà, les joueurs qui sont regroupés sur le petit podium qui a été installé dans le rond central. Ils ne sont pas foulés sur le podium. Hein. C'est vrai que c'est pas super, mais bon... Les joueurs s'en fichent. Hein. Ouais, ce qui compte, c'est les trophées qu'ils vont pouvoir brandir dans quelques minutes maintenant devant leurs supporters. Le trophée de Ligue 1 est à nous. Ça tapote, ça sautille, ça chahute. Les fameux papelitos hein, qu'on voit maintenant sur toutes les remises. Ça y est, voilà, la coupe est brandie. Je m'y attendais pas. Enfin, je m'y attendais sur la fin, mais pas au début en tout cas. C'est vrai que c'est un résultat qui était attendu par tout un club. Ah oui, et puis voilà, la joie est très pure et très sympa à regarder. Et très communicative. Et je sens que tu es heureux. Voilà, les nouveaux champions qui viennent remercier leurs supporters, ceux qui ont fait le déplacement pour ce match qui s'est avéré décisif.
Ah ouais, c'est super d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Bah évidemment, ils auraient préféré fêter ça à la maison, dans leur stade, sur leur petit coussinet bien douillet. Mais bon, le plus important, c'est d'être champion. Hein. Ça ne l'altère pas leur joie, apparemment. Non, ça a l'air d'aller. Allez, il va y avoir la photo souvenir, Pierre. Voilà. Il faut être bien placé sur la photo, là, si possible. Voilà, alors ceux qui n'ont pas de goût, tu la retrouveras dans le salon. Ceux qui ont de la dérision, tu la retrouveras dans les toilettes. Et moi, je pensais sur la photo, ceux qui... Bon. Ben bah, voilà. Le match débute. Attends, engagement donné par les Girondins. Comment ça se fait que Matteo Rabel a cette tronche-là? Ils ont donné une tronche à la con. Bon, c'est pas grave. Ils ont quand même mis 3-0, hein, le PSG. Ils nous ont mis un tout petit peu la pression quand même sur la fin. Tu vois, je l'avais dit, on aurait perdu 4-0. Et eux, 3-0, gagner 3-0, bah c'est bon, ils étaient devant. Hein. Voilà, avant de regagner le vestiaire, je suis avec... Bravo pour ce titre, décroché lors de la dernière journée. Quel est votre sentiment? Les performances des joueurs ont été satisfaisantes pendant toute la saison. Ce sont eux qui sont allés chercher ce titre et ils ont fait la fierté des supporters. Avec deux buts et une victoire, David a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Un match impressionnant de la part de Jonathan David. Il est excellent. Vous êtes resté invaincu pendant 19 matchs consécutifs. Une impression? C'est vrai que la deuxième partie de saison, j'ai pas perdu beaucoup. C'est la fin d'une superbe saison pour nous et les résultats nous poussent à faire encore mieux la saison prochaine. Merci, ce sera tout pour moi, Bélé. Sauf qu'on pourra pas forcément faire mieux l'année prochaine. En plus que je bégaye. Parce que on va avoir la Ligue des Champions cette fois. Alors qu'on l'a pas eu cette année. Donc, on va peut-être en chier, n'est-ce pas? Là, par contre, l'équipe B, elle a intérêt d'être productive, tu vois. L'équipe B, elle va être utile, là. Parce que là, l'équipe B, bon, je la fais jouer de temps en temps, mais en soi, je suis pas forcément obligé, tu vois. Bon, allez. Hop. On va faire un autre exercice. Patate très chaude. Il est où, Glick? Parce que Glick, je pense qu'il va jouer, hein. Un jeune souhaite partir. Danemark, aujourd'hui, marque le dernier jour pour communiquer à la liste des joueurs retenus pour la prochaine rencontre championnat d'Europe. Rapport final de Lucas, machin truc bidule. 66 de général, il est plutôt intéressant, mais en soi, mais bon. Un jeune souhaite partir. C'est lequel? Je vais même pas regarder. Kasper Kristoffersen. Lui? Mais il est nul. Il est que 55 de général. Alors par contre, lui, Sondergaard, il va être intéressant. Non, bah lui, je crois que je vais le laisser partir. Je vais le laisser partir. Je vais plutôt garder Sondergaard. Voilà. Alors. En plus de ça, c'est aujourd'hui qu'on fait le choix de l'équipe nationale. Non? C'était pas ça? Bon, de toute façon, j'ai mis Okosun, apparemment. Non, c'est pas ça? Bon, bah, apparemment, j'ai pas pu le... Il m'a pas mis sur le truc de base. Normalement, il me le met toujours. Mais là, il me l'a pas mis.
Il est toujours là Non, il est plus là. Mais si, il est plus là. Et si je regarde dans la liste des transferts, que je cherche un joueur, que je tape Messi, est-ce qu'il me le trouve? On sait jamais, hein, genre malentendu. Bah si, il est toujours là. Lionel Messi, 36 ans. 86 de général. Comment il a baissé? Alors, il a largement baissé, hein. Un joueur d'expérience. Il a baissé la blinde de vitesse, la blinde d'endurance. Je regarde, hein. Ça coûte rien de regarder, hein. Je suis désolé, mais bon. À un moment donné, voilà, quoi. Hop. Ouais, du coup, il a pas voulu me faire prendre les trucs, là. Me mettre sur la liste des joueurs, là. Il a pas voulu. Pour pouvoir choisir mon équipe du Danemark. Parce que j'aurais bien voulu rajouter le gardien que j'avais, là, Sondergaard. Ça lui aurait peut-être permis d'augmenter aussi. Offre de transfert pour Holgate. Ça commence. Ça commence les transferts pour la saison prochaine, tu sais. Eh ben, tu sais quoi? Vu que c'est pour la saison prochaine, il va falloir que j'accepte. Comme ça, ça fera déjà un transfert de fait. Mais dans ce cas-là, je vous le dis tout de suite, hein. Moi, c'est clair et net. Si c'est ça... Je récupère directement Khéphren Thuram, hein, je vous le dis. 44 900 000. Je vais voir s'ils peuvent augmenter un tout petit peu. Genre à 47 millions, tu vois. Ou ajouter une clause de revente, peut-être. Une petite clause de revente de genre 5%. $45,6 million. Un petit 46,5 millions et on est bon. $46 million. Dernière offre. Dernière offre, 46 millions. Oh, mais s'il te plaît, pour 400 000, tu fous la merde, là. Oh là 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 là. Je te jure, hein. Ils ont aucun respect. Ils ont aucun respect, ces gens-là. Le gars, il cherche juste à avoir encore plus de fric qu'il a déjà. Mais c'est lui qui a aucun respect. Alors ? Bon, entraînement, ça, c'est good. Ce serait peut-être bien de faire un entraînement pour Glick. Rupture de contrat d'un jeune, Kasper Kristoffersen, je sais. Nathan Collins. Ouais. Je voulais regarder ce qu'il valait. Alors, Rasmus Reban, ça, c'est bien. Mais on va le mettre sur un autre truc. Hop. Là par contre, je vais plutôt mettre Lednev sur celui-là. Hop, ok. Là, autre exercice, on va mettre patate très chaude, parce que c'est celui qui augmente le plus. On enlève tout ça. Donc, on va mettre Glick, Reban. Et je sais pas. Follet. Voilà, c'est dit. On simule tout. Voilà, au moins il récupère bien.
Et évidemment, c'est ce qui me semblait. Camille Glick, certes, c'est bien de s'être qualifié, mais j'espère toujours faire partie de vos plans, car ce serait une belle manière pour moi de tirer ma révérence en aidant le club à remporter cette compétition. Montre ce dont tu es capable. Faisons en sorte que notre parcours en coupe reste dans les annales. Vas-y, et montre ce dont tu es capable. Alors, rapport mensuel pour les jeunes joueurs. Ouais, Sandergaard, il va être vraiment intéressant. Lui, putain, il va être pété. Il va être complètement abusé, celui-là. Un petit milieu central, là, côté gauche. En soutien à Richie, ça peut être vraiment intéressant. Dans ce cas-là, je pourrais me défaire de peut-être Pizzuto ou un truc comme ça, parce que... Ouais, ça... Il y aurait une rude concurrence, hein, je pense. Hein. Ouais. Et ici, bon, bah voilà, Sandergaard, il va encore rester un peu dans le centre de formation. Comme ça, il va prendre tous les points qu'il peut. C'est une période très importante dans la saison. Vous avez déjà remporté un titre. Bien, et si vous vous imposez aujourd'hui, vous réaliserez le doublé Ligue 1 et Coupe Nationale. Vos joueurs vont-ils rentrer dans l'histoire? J'ai absolument confiance en mon équipe. On a déjà prouvé qu'on évoluait un cran au-dessus des autres. Je pense que nous sommes capables de gagner et de réaliser le doublé. Vous allez affronter une équipe solide en finale. Comment allez-vous gérer la fatigue accumulée? Ils sont comme nous, non? Ils ont joué autant de matchs que nous. Donc ils sont aussi fatigués que nous. Voilà. Vous restez sur une belle victoire. Pensez-vous que cela affectera le moral des adversaires? J'ai déjà dit et je le répète, le moral est un aspect stratégique de la gestion d'une équipe, quel que soit le sport. Nous aborderons donc ce match de façon positive. Ce sera tout pour moi. Merci, c'est terminé. Nous espérons avoir répondu à vos questions. Et c'est parti pour le dernier match de la saison. Enfin, quasi dernier match parce qu'on aura les matchs internationaux après. Mais bon, ça fera l'objet d'un épisode spécial. Hein. On va l'appeler comme ça, l'épisode spécial. Ce sera le prochain épisode, donc qui sortira vendredi, hein, du coup. Alors, gestion de l'équipe. On va commencer par mettre Glick, déjà. Hein, ça me paraît logique. Ouais, par contre, tu seras côté gauche. Ensuite, Okosun. Là, Pizzuto, Lednev, on va remplacer comme ça, voilà. Follet, Paqueta, David et Sorloth, ça va rester. Castagne, on le met. Bien envie de mettre Timothy Weah, mais... ça va pas le faire, là. Ouais. Bon bah écoute, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. On mettra Timothy Weah à la place de Sorloth, certainement. On va faire rentrer Sanchez. Je vais enlever Opaenget. Donc on fera rentrer Sanchez à la place de Glick. Ça, ce sera obligé. Ou alors, je fais rentrer Kelvin Amian. Non, je vais plutôt faire ça, je ferai entrer Kelvin Amian à la place de Glick. Au moins, on aura un bon défenseur. Enfin, un bon. En général, hein, en termes de général pur. Donc, on fera entrer Kelvin Amian. Désolé, Sanchez, il jouera pas, du coup. Et après, je ne sais pas, certainement, on fera entrer Santa Maria et Weah. Peut-être. On verra bien. En tout cas, le match J'arrive plus à parler. Je vais boire un coup, peut-être. Peut-être que ça passera. Donc, je disais, le match tant attendu est arrivé. Veuillez vous installer confortablement dans vos sièges.
Deux équipes, mais. Donc, Fragata, c'est Titi! Bien sûr, les données sont simples. Inconnu au bataillon, c'est Titi! On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi en direct du Parc des Princes. Inconnu au bataillon, c'est qui lui? Je reconnais même pas, donc si ça se trouve, c'est un qu'on connaît pas. Enfin. J'en sais rien. Salut à tous, enfin nous y sommes. Hervé Matou et Pierre Ménès en direct ici à quelques secondes du coup d'envoi. Et ouais, finale, la finale, mon gars. Qui promet énormément de l'OSC. Finale de Coupe nationale. Ouais, c'est une finale de Coupe avec ce genre de match, c'est toujours attention. Particulier. Attention. Là, ça va. Ventre, ça va morfler. À mon avis, moins que les joueurs sur la pelouse. Hein. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. Jonathan David, meilleur buteur de Ligue 1. De son dernier match, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est évidemment l'un des joueurs à suivre. Après ce match-là, je vais vous montrer, si j'y pense, parce qu'à chaque fois je dis ça et j'y pense pas, je vous montrerai les différents... La composition comment dire, du LOSC, regardez là. Les différents level-up. En ce qui concerne aussi... qui est le meilleur buteur, etc., etc. Donc, ça va être sympa. Ça va être très sympa. Bon. Après, en soi, en vrai, si jamais Holgate ou Baumgartel est vendu, ou même les deux, hein. Si les deux sont vendus, ce qui m'étonnerait quand même, mais bon, soit, si les deux sont vendus, dans ce cas-là, je garde Rasmus Reban en tant que défenseur central titulaire, comme ça il augmentera bien comme il faut, et en plus de ça, je prendrai Khéphren Thuram. Je pense que ça peut être une solution... une bonne solution, on va dire. Allez, c'est parti, on est en rouge. Cette finale de la Coupe nationale, qui est l'un des matchs les plus attendus en France, hein, Pierre. Bon, c'est une finale. En plus, forcément, ça attire du monde. Reban et Follet, ils se connaissent. La Coupe nationale qualifie automatiquement son vainqueur pour la Coupe UEFA de la saison suivante. Les Neves, puis du tout. Paqueta. C'est pas... oui, hein, ouais. Moi, je fais ça, je me reçois direct un rouge. Enfin, peut-être pas un rouge, mais vous avez compris. Tiens, regarde, je viens de faire ça directement. Eux, c'est avantage. Hein. Ça profite à Saint-Étienne. L'arbitre. Eux, ils me font pareil, y a rien du tout. Ça part bien, action dangereuse. Giuliano. Ce meurtre. Je l'ai fait un de ces meurtres. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Ah ouais, super, mais il file au but. Bien joué ça. Attention, c'était pas terminé. Oh, que c'est bien défendu. Allez, vas-y. Vas-y, Follet. Vas-y. Vas-y. Ush. Oh putain. Eh, hey, Jonathan David, qu'est-ce que t'as branlé? Qu'est-ce que t'as branlé? Tout était parfait. Pourquoi? Tout était tellement parfait. Ça se demandait si j'ai déjà blessé un de leurs joueurs. Alors. Mais tout était tellement parfait. T'es vraiment un sac. Je les viole, hein, au niveau physique, là. Comment ça, je suis hors-jeu? Comment ça, j'étais hors-jeu? Oui, effectivement, j'étais en jeu. J'avais pas vu. Comme dirait Gilbert Montagnier. Non, mais c'est bon, là. Faut rien leur faire, à tes petits protégés. Ouais, le joueur qui a fait faute, coup franc pour la Saint-Étienne. C'est bon, Castagne l'a récupéré. Pas de soucis pour le gardien. Allez, on repart. Vas-y. On va construire en passant sur les côtés. Oh putain! Tu sais pas t'arrêter, Paqueta? A chaque fois, ça m'arrive ça. Je fais une passe en retrait, l'autre il continue d'accélérer comme un blaireau.
Hop, c'est à nous. Merci bien. Hop, on la joue rapidement. Ouais, bien défendu, effectivement. Ouais, c'est bien défendu. Le centre est contré. Raté, dommage. On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. C'est dommage. Ouais, c'est pas cadré. Cette tête ne donnera rien. On peut pas dire que ce soit de la maladresse. Hein. Non, non, c'est surtout bien défendu. Il a pas pu faire ce qu'il voulait. Hop. On se met dans la surface. Huertas. Avec Giuliano. Giuliano. Bien joué ça. Je crois que c'est Rasmus Reban qui a fait. Il a fait ça. Oh. Alors ça c'est n'importe quoi cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Aïe. Eux ils ont le droit. Eux ils ont le droit mon gars. Bon ballon d'attaque pour les Stéphanois. Bien joué ça. Très belle. Il perd le ballon. C'est pour le gardien ce ballon. Très belle gêne. La dernière occasion, on l'a bien gêné comme il faut. C'est pas lui qu'il fallait la faire. Putain. Ça ne fonctionne pas. Il avait vu venir. Le nombre de trucs, c'est du script pur et dur. Rasmus Reban qui est toujours présent. Non mais cherchez pas Rasmus Reban. Rasmus Reban, c'est un bon. Je l'ai dit. C'est bien donné dans l'espace. Oh putain, je peux pas tirer. Je peux pas tirer. J'ai pas d'angle. Ils sont tous en défense comme des sacs. Une minute, c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. Mais il parvient à stopper. Oh putain, pourquoi t'as pas continué, Sorloth? Il perd la balle. Ah, c'est dommage. Bon, ça défend bien des deux côtés. La fin des c'est galère des deux côtés. Finale de coupe nationale, rien n'est fait. Je pense qu'on va directement mettre un petit Santa Maria à la place de Pizzuto. Ça va nous donner plus de défense. Et ça devrait nous donner un bon point d'appui la déjà. La partie qui recommence à l'instant. Ouais, Hervé, c'est reparti pour. Parce qu'on a du mal à trouver nos attaquants. On peut pas dire que l'Ennev il ait fait un super travail non plus. Niveau défense, comme j'ai dit, ça passe. Hein. Ils sont à la lutte. En tout cas pour l'instant. Giuliano. Conserve hop le là. Ballon. Ils espèrent trouver. Vas-y, ça c'est beau. Une possibilité de mener une attaque. Pour Follet. Allez, il a de la place. Ah putain, trop fort. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. J'ai voulu le faire au deuxième poteau, mais. Je le fais très rarement au deuxième poteau en fait. Du coup, ben, j'ai fait beaucoup trop fort. Un petit peu piégé, hein, sous pression là. Ouais, très propre ce tacle. Ça sera donc une touche. Le changement qui a été demandé. Oui, le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. Non. Attention, c'est ça mort. Peut devenir intéressant. Oh putain. Oh, il y a des solutions. Bien joué, Rasmus Reban. Il s'enfonce. Oh, c'est dévié. Rasmus Reban, mon gars. Sinon, ça faisait but. Ah, putain de merde. Il joue pas grand chose parfois. Hein. Ce ballon en profondeur. Ah non, c'est dommage, c'est pas bien joué. Ok. Oui, très bien. Moi je fais une passe depuis 3 heures, il me la prend pas. Qui se traduit par la récupération du ballon. Huertas. Sergi Palencia. Il cherche des solutions là. C'est galère. On est en galère. Contre la galère.
Je propose. Non, on va pas faire ça. Je propose Richie. Ballon qui sort en touche après cette déviation. Bah après, c'est toute l'équipe de base, hein. Toute l'équipe première, donc je pouvais pas pouvoir faire beaucoup plus, hein. En attaque. Je te dis, en fait, c'est juste qu'ils défendent comme des sacs, tous derrière. On écarte le jeu. Oh putain! Alexander sur l'autre. Putain, puis en plus de ça, laisse tomber les. Les contrôles de mes joueurs. Laisse tomber. Hein. Ils font des contrôles complètement abusés là. Moi, Gomez. Hop là, Paqueta. Allez, Paqueta. Pour Jonathan David. Le tir de Jonathan David. Le but dans le petit filet. Enfin. Enfin un but. Enfin un but de Jonathan David. Ha. C'est beau. Enfin. Fouh. Allez, Kelvin Amian. À la place de Glick. Oh punaise. Là là c'est de la défense hein. Là c'est de la défense pure. Va pas falloir faire autre chose que de la défense. À mon avis. Eh ouais! Bien joué, Jonathan David. Premier but en Coupe Nationale, mais c'est normal, hein, c'est son premier match. Comment ça, tactique un peu attentiste? Hop là. Oh, follet. Le petit follet qui est parti. Ah, par contre, j'arrive pas à centrer avec lui, hein. Chaque fois, je veux crocheter, mais j'ai pas le temps de crocheter. Ok, il renvoie bien loin. Rasmus Reban, il a pu la récupérer tranquille. Jonathan David. En retrait pour Richie. Ah putain, ça a été contré. C'est mort! Non! Non! Mais non! Attends, mais t'es sérieux? Quoi? Mais ça va! Y'a rien! Oh là 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 là! Oh putain! Forcément, hein! Forcément! En plus, il y avait une seule minute, ça fait déjà deux minutes! Donc normalement, il aurait même pas dû accepter le penalty! Il aurait même pas dû. Putain. Ok. Voulez-vous la jouer comme ça, bande de fils de chien? Voulez-vous la jouer comme ça? Eh ben, vous inquiétez pas, on va se la jouer comme ça. Allez, c'est parti. Mode Roxor activé. Là, je vais plus parler. Je vais juste me concentrer et mettre des buts. Vous allez me rendre cette balle!
Mais y'a rien, putain, je joue la balle, bordel! Putain, mais c'est quoi ça? On a le droit encore à un changement, il me semble, hein. Allez, hop, Timothy Weah, tu rentres. À un moment donné... Non mais sérieux. Fils de chien. Bon. Je vois qu'ils veulent se la jouer, pupute. En plus, ça joue des balles de chien, là. Tiens, mange. Timothy Weah, mon gars. Je l'avais dit qu'il fallait le mettre. T'en bouge pas. Je peux encore en mettre un deuxième. Enfin, un troisième, plutôt. Fin de première mi-temps. Enfin, de première mi-temps de prolongation. Deuxième mi-temps de prolongation. Allez, c'est parti. Il y a un moment donné, le mode Roxor est activé. Hein. Je m'en bats les couilles maintenant. Ah non, mais il y a un moment donné, s'il veut jouer au con, tombe sur une cinquième Dan. Hein. Bim, troisième. Allez. Ah non, mais... Quand je suis sérieux, voilà ce qui se passe. C'est juste que j'aime pas me prendre au sérieux, à la base. Mais bon. Si m'y oblige, à un moment donné, voilà, ça... Il y a des trucs... ça se fait pas. Me coller un penalty comme ça alors que il y avait absolument rien, ça se fait pas. Ouh, ça va pas. Alors un petit carton jaune, deuxième et le rouge. Allez hop, ça dégage. Ben non, ça va fragiliser que dalle. Ça va fragiliser que dalle. Lui, par contre, il a le droit de me tacler, y a rien. Hein. Et voilà, 3-1. Ah, mais il y a un moment donné. Il y a un moment donné, ils veulent se la péter. Ils ont voulu essayer de se la péter. Avec leur pénalty pas du tout mérité, là. À la 92e minute, alors qu'il n'y avait qu'une seule minute de temps supplémentaire dans les arrêts de jeu. Donc, faut pas pousser mémé dans les orties, comme on dit. Donc voilà. C'est fait. On a fait le doublé, donc c'est plutôt intéressant quand même. Hein. Plutôt intéressant en vrai. Hein. Donc je sais pas combien on en est rendu dans l'épisode. 1h10 d'épisode ! Eh ben, je vous régale ! Je vous régale ! Sachant qu'il y aura encore au moins 10 minutes d'épisode, parce que on va regarder les notes et les level up. C'est toujours important de regarder ça. On va regarder également
le classement de Doncaster Rovers, parce que bon, le classement de Bordeaux, on le connaît, hein, ils sont quatrième. Un grand pas pour le LOSC. Je sais pas du tout ce que c'était ta question. Votre équipe vient de réaliser le doublé. Vous devez ressentir beaucoup de fierté. Quoi pensez-vous en ce moment? L'équipe peut faire mieux. Gagner ces deux compétitions, c'est un exploit, c'est sûr. Mais on ne doit pas se reposer sur nos lauriers. L'équipe est sur une bonne dynamique. Et je ne sais plus parler, bien sûr. David a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Bonne performance globale, hein. Rasmus Reban a été bon. Bon, Richie, il s'est pris un rouge, mais bon, soit. Dotation, compétition, 2 millions. Samuele Ricci a écopé d'une suspension. Enfin bon, ça, voilà. Donc maintenant, après, on va être avec le Danemark. On est à 100% avec le Danemark. Le truc qui veut rien dire. Et on est à 100% avec le LOSC. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Je suis à 100%, il y a tout le monde qui m'adore. Tout le monde. Du coup, on se barre. Non, je déconne. Et ils nous proposent l'OL, l'AS Monaco, le PSG, Arsenal. Arsenal, c'est très intéressant. Chelsea, j'aime bien aussi. Liverpool, carrément. Ah, ils nous proposent des bonnes équipes. Hein. Bon, après, franchement, Brighton et Wolves, qu'est-ce que tu vas les foutre là-bas? C'est gratuit, c'est gratuit. Donc, je voulais regarder l'équipe. Donc, tout d'abord, l'accueil équipe, les statistiques, en fonction des matchs joués. Qui a joué le plus de matchs? Jonathan David. Suivi de Mike Maignan, Holgate, Paqueta. Après, celui qui a joué le moins de matchs. Ouais, bon, eux, je les compte pas parce qu'ils sont prêtés. C'est Sanchez qui a joué le moins de matchs. Il en a joué que 2. Rice en a joué 3. Le nombre de buts. 100. 100 grands de... Hein? Voilà. 100 grands de... Surprise. C'est Jonathan David qui est premier avec 30 buts. Suivi de Alexander Sorlot, 23 buts. Timothy Weah, 18 buts. Lucas Paqueta, 11 buts. Richie, 6 buts. Bon, après, c'est beaucoup moins. Hein. Les passes décisives. Jonathan David, premier, 17 passes décisives. Suivi de Lucas Paqueta, 10 passes décisives. Baptiste Santamaria, 9 passes décisives. Pareil pour Alexander Sorlot. Et après, ça se joue avec Kelvin Amian, Follet et Ounas qui sont à 6 passes décisives, quand même, pour Follet. Hein, Follet, il a 22 matchs dans les pattes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va voir les level up maintenant. Donc, Mike Maignan a pris un seul point. Isaac Peterson, un point. Castagne, un point. Ozen, 2 points. Medranda, 4 points. Donc, intéressant. Morgan Poiti, 2 points. Fierro, 2 points. Baumgartel, 1 point. Holgate, 2 points. Sanchez, 5 points. Rasmus Reban, 2 points. Camille Glick, moins 4. Mais bon, c'est normal, il a 36 ans. Bon, Camille Glick qui a quand même réussi à avoir 1 de vitesse. Ça, c'est énorme. Ensuite, Kelvin Amian, 1 point. Okosun, 4 points. C'est bien ça. Baptiste Santamaria, 1 point. À mon avis, il n'augmentera plus, lui. Lennev, 1 point. Pizzuto, 4 points. Lucas Paqueta, 1 point. Bruno Rice, 4 points. Samuele Ricci, 5 points. Luc Follet, 1 point. Samuel Declercq, 2 points. Ounas, 0. Upa Nguet, 1 point. Idi Ouattara, 3 points. Malbazic, 0. Timothy Weah, 5 points. Jonathan David, 5 points. Alexander Sorlot, 1 point. Franchement, Timothy Weah, il va très vite prendre la place de Alexander Sorlot. Hein. Il lui manque juste 1 point pour être au même niveau. Franchement...
il va être abusé. Enfin bon, chers amis, on va continuer un petit peu ça, tac tac tac, et on va regarder les championnats. Championnat de Ligue 1, est-ce que c'est vraiment utile de le regarder? On l'avait déjà vu, hein. De toute façon, on est premier et Bordeaux était quatrième. Donc ça change pas. Je vous laisse regarder pour les championnats qui, moi, m'intéressent pas. Hein. Moi, je vais regarder Doncaster Rovers. Alors, Doncaster Rovers, 7ème, avec 83 points. Plutôt pas mal. Hein. Ils sont 7ème de FL Championship. Je pense que prochaine saison, ils peuvent peut-être tenter de revenir en première ligue, Doncaster Rovers. Peut-être, c'est pas sûr. Bon, voilà, après, le reste... moi, je m'en fous un peu, mais bon, si vous voulez regarder, au moins, je l'ai mis. Bon, après, il y a des trucs... Real Madrid, FC Barcelone, ils sont 5e. C'est pas ouf. Donc voilà, Ligue 2, Strasbourg 1er, Toulouse 2e, FC Metz 3e, VFC 10e. En même temps, j'ai envie de dire, tant que je leur donnerai pas un petit coup de pouce, tu vois, genre... échanger un petit Alexander Sorloth à la place d'un de leurs jeunes, tu vois. Ah là là, misère. Bon, bah en tout cas, moi, je vais m'arrêter là. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis, du coup, à vendredi pour un épisode spécial match international, en espérant qu'on se qualifie au moins, qu'on passe la phase de poule, au moins. À la limite, la phase de poule, ce que je vais faire, c'est que la phase de poule, je vais le faire de mon côté, en off, parce que, bah, de toute façon, ce sera des matchs simulés, ça va pas être intéressant pour vous. Donc, je les ferai en off, et en fonction de ça, on verra si, bah, du coup, si je me suis qualifié, dans ce cas-là, on fera les matchs internationaux du Danemark, et ce sera un petit épisode spécial. Sur ce, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Elle aura été très longue, celle-là, donc j'espère que ça vous aura plu, ce genre de format. Dites-le moi dans les commentaires, hein. Moi, ça me fait plaisir de savoir si vous préférez les formats plutôt de 1h, 1h, 1h20, mais que je fasse que 2 vidéos, ou plutôt les formats de 40-50 minutes et que j'en fasse 3. Ça... je ne sais pas, vous me le dites dans les commentaires. Sur ce, les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. C'était Dino Libera, ciao.